li à peine installé, mes affaires étrangères là, li rentre en compte ça. Et li fait un tweet, li dit, rencontre fructueuse avec l'ambassadeur des États-Unis, Dennis Hankins, échange autour de la mission de sécurité en Haïti, des exportations agricoles, de l'abadi, la coopération judiciaire, la décentralisation et le leadership féminin pour un avenir prometteur. C'est ça, Madame Dominique Dupuy, tweeté. Et n'a pas rappelé, c'est ancien délégué permanent d'Haïti auprès de l'UNESCO. Alors ça, il fait, il faut que nous rappelions. Et tout de suite après que le département d'État américain finit valider, ou du moins finit débloquer 109 millions de dollars américains pour le Kenya dans la perspective du déploiement de la force multinationale. États-Unis, t'es déjà promis par intermédiaire de Blinken, un total de 200 millions de dollars américains pour mission, pour être capable de renforcer la capacité police haïtienne. Ça, faut nous rappeler, c'est important. En ce qui a trait à mission, faut que moi dis nous, pour qu'on ait aucune date qui est encore fixée. Mais je dis nous, probablement, c'est dans fin mois ça. La mission est dans l'impasse, alors que la population haïtienne s'impatiente. Donc nous-mêmes, nous impatients de voir y arriver, parce que nous en avons grandement besoin aujourd'hui, mesdames et messieurs. S'agissant de Madame Dominique Dupuy, faut que Madame Zahal montre une certaine liberté dans tout ça l'a fait. D'ailleurs même dans la question vestimentaire, j'ai l'habillé. M'a bon menti. Il s'est révolutionné bagaille là. Avoyez moi l'a rencontré qui est sale, des grands tirobes sans manches sous lui. Et qu'en Haïti, on est capable de brûler au scandale. Parce que fois, mon nom, mettons un bagage pour couvrir d'eau, pour barrer un babral. Mais, madame, ça, moi, je suis un petit robe, ça, c'est sur le. Tu vois, ça, tu es contre, tu es fait sur le. Il est un petit robe noir et blanc. Pourquoi un robe noir et blanc, tu as installé? Mais, un petit robe bien bagaille, tout le bas, les deux. Ça rappelait Michel Obama. Michel Obama, c'est un homme qui révolutionne le bagage, ça. Et dans tenue première dame. Et nous sommes, madame, ça a liberté dans le comportement, mais nous liberté de parole. On garde qu'à prêter serment, qu'à installer, qu'à passer la première ministre. Elle a une liberté de parole. Donc, il semblait son monde. J'en ai dit déjà. Bon, d'abord, son monde qui a une certaine capacité pour communiquer. Pour faire bouger les choses, elle a un certain dynamisme. Mais ça, moi, et ça me dit. Vous voyez tout ça qui passe là? Attendez bien. Dame rencontrée, en tout cas, on va parler de la ministre Dominique Dupuy. Vous avez tout sujet l'abordé à l'ambassadeur. Donc, femmes, ça, sont vraiment ambassadeurs liés. Ils parlent d'eux. Et mission qui doit entrer en Haïti. Avec l'ambassade américain. Il parlait de exportation agricole. Ça veut dire que comment pour Haïti capable d'exporter denrées que le gagne vers les États-Unis? Ça, c'est pas une blague. Donc, elle pense à l'agriculture haïtienne. Elle pense à la nécessité pour que Haïti patronne seulement au marché quand on vient vendre manger. Mais nous-mêmes, tout, nous sommes capables de vendre. Il parlait de l'abadi. Donc, de bateaux de croisière, de tourisme. Il parlait de coopération judiciaire. C'est-à-dire comment deux pays sont capables de continuer à renforcer la coopération au niveau judiciaire, à savoir, il y a des bandits en Haïti qui font des actes qui ont un rapport avec les États-Unis, qui viennent prendre, même bien tout. Il y a des gens que nous gagnons qui font des actes à l'État-Unis, il faut qu'on avoue le nous tout. Il parlait tout de décentralisation. Il parlait de leadership féminin. Dame, ça va faire une promotion
pour la gente féminine. Ah oui. Elle veut voir des femmes partout. Et elle y croit. Leadership féminin, son bagage qui bat résultat dans le monde. Et c'est vrai. Les femmes ont dirigé, je ne vais pas mentir. Je dirige avec un peu de rigueur et vous voulez résultat. Il va aller dans le leadership féminin pour un avenir prometteur. Et c'est pas sans raison où elle choisit une dame pour chef cabinet au niveau du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Donc, il vous signale. Ok? Donc, Dominique Dupuis, donc, contrairement à son prédécesseur, et comment est-ce encore, et Jean-Victor Généus, et bien Dominique Dupuis lui-même, qui a imprimé sa marque, qui commence à imprimer sa marque sur la diplomatie. Parce que l'homme est un ambassadeur. Je ne vais pas dire trois bagailles pour Dominique. Non? Mais en plus, on a parlé de jeunesse, mon jeune. Bon, gérontocratie dans le pays qui voulait que mon jeune n'a pas de place. Hein? Bon, gérontocratie qui voulait barrer toute jeune dans le pays. Il y a des gens qui même penser dame non parce que le 34 ans n'a pas mis ça à l'étranger. C'est une blague. Nous c'est une blague. Et par 16 jours, elle fait la différence. Pas saisir où elle fait la différence. Parce que il y a force courage là, il y a dynamisme là, et elle a des clés. Ou qu'à saisir où elle représente Haïti valablement tout côté le passé. Même pas aucun préjugé sur lui. Aucun. On va juger sur tout travail parce que moi des nèg déjà qui grand monde, nèg 75 ans, 80 ans, 50 ans, 60 ans qui vient là, il va mettre un y. Donc, c'est ma position. Moi, c'est pas nous, bah, jeune femme, jeune garçon, qui a un dynamisme, qui a un diplôme, qui a une capacité pour expérimenter tête. Naturellement, vous voyez qu'il y a une femme nulle part, pour la gueule dans la diplomatie. Il faut être dans l'école, il faut être dans la diplomatie, il faut le savoir-faire. Donc, j'encourage vivement ce genre de choix, parce que, et ça a tout, il y a un rapport avec sa paix, dit, mais le gouvernement là, c'est femmes, c'est jeunes, c'est diaspora. Nous pouvons assez femmes, non? Nous pouvons assez femmes. Mais le gouvernement, au moins, il y a 25 à 29% de femmes. What do you want to search for? Ok? Non. Excusez-moi. Donc, moi, Jean Roosevelt, monsieur, faut me dire qu'il est donner le monde aux femmes. Et moi, courage, femme, yo, pour prendre ses habités. Ok? C'est dire. Bon, il y en a qui dit, ministre, pas dans un plan gay. À la cause. Tout ce qu'on a parlé là, dame, c'est diplomatie. Son diplomatie forte seulement, qui est capable de faire exportation agricole. Son diplomatie forte qui peut faire. Qui va défendre nos produits, les valeurs de nos produits. En traité judiciaire, il faut une diplomatie. Qu'on va parler de plan gay. De quoi? Peut-être qu'il ne soit pas détaillé. Please, mon cher. Please. Donc, ok. Nous souhaitons, madame, ça, bonne chance. Et nous espérons que nous pourrons avoir l'autre ministre à l'œuvre. Le ministre de la Défense, il est déjà. Mandé là, mais à remettre dans la condition D. Donc, n'attendons ça veut dire, qui sera bail comme résultat. N'attendons notre ministère, comment c'est secouer quoi? Parce que nous n'avons pas de temps à perdre. Et pas bien excuse, mesdames et messieurs.